これは新たな神の物語。荒ぶる世の流れはとどまるところを知らず、ムラムラはひとときの呼吸のように、細く伸びた絹糸のように、いつぞや切れるともわからぬ哀れな日々を送っております。大いなる山神様へ神をいたし、この身を献上しまするゆえ、ムラムラは平穏と繁栄の糧を今日も与えられたまえ。Eh bien, salutations tout le monde, scène 27, et aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode pour ce nouveau jeu de Capcom. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un genre de tower defense. Okay. J'avais testé un petit peu la démo vite fait, j'avais pas plus testé que ça après. J'étais juste curieux. Je sais qu'après on va pouvoir contrôler plusieurs autres personnes. Ah, c'est mieux, oui, si on peut mettre la caméra comme ça. Ok. Ah, je préfère largement comme ça, c'est plus simple. Dans la démo, nous le disait pas ça. Allez. Et j'y mets. Allez, partout de là. Bon, pour l'instant, il n'y a pas les trucs à trouver, j'ai l'impression. On a des choses un peu à purifier, ou ça nous permet d'ouvrir un coffre après. Enfin, dans la démo, c'était comme ça. Si là, peut-être, ils ont modifié. On verra bien.
Là on est devant un truc à défendre avec d'autres types. Alors envoyer un peu tower défense quoi. Alors moi j'attends les tower défense donc. Juste que celui-là je le trouve assez particulier du coup. Mais bon pourquoi pas, à voir. Moi que j'ai pas la vie. Dino. Viens là. Je sais pas ce qu'il fait là. Eh mais tapez-le donc. Moi je m'excuse aussi. Bon même si on s'en fout tous mais j'ai pas posté de vidéo pendant plus d'un mois quasiment je pense. Dernière vidéo date d'il y a un mois sur Remnant 2. Donc c'est passé beaucoup de choses depuis. À quoi ça? Il y a un vocal. Ok. Alors, vous pouvez consulter tous les tutoriels. Panique. Alors, je
Pas trop le choix. On va aller là. Ok, donc là on est dans la mission de la démo, j'ai l'impression. Ça m'en a tout l'air. Ok. C'est vrai que c'était avec B pour purifier, là on ramassait les trucs. Ouais, c'est ça. Donc là il y a le coffre. Ici il va me dire voilà, 1 sur 8. Et en gros, faut que je les trouve avant que la vague arrive, quoi. Comme ça, j'ai un item. Ça va me donner des mecs, normalement, que je vais pouvoir placer par la suite. Hop, assigné. Je peux pas, donc, bûcheron. Bûcheronne. Là, bon, là, je peux. Sinon, je peux pas faire grand chose pour l'instant. Confirme la destination. Et hop, les deux ici. Je vois le jour, recycle nuit. Bon, hop. Ça, pareil. J'avais à peu près vu. Là, pareil, on va trouver un type. Un métier, il me manque les trucs. Je purifie. Tac, moi ça. 60. Pour moi, je pouvais choisir, mais bon. Pas grave. Cinquième, en bas je sais qu'il y en avait. C'est bizarre que je peux mettre que des... Merde. Oh là-bas, l'ami. Je vais à peu près capter. Un 7 sur 8. Et le 8ème, je crois qu'il était sur la route principale. Pas de bêtises, c'est juste là. 8. Je vais ouvrir le coffre. Oh. Normalement, j'ai une amulette ou un truc du genre dedans. Je suis en train de regarder ma manette Starfield. Putain, elle me l'a défoncé. Ah, laissez jamais jouer une meuf avec vos manettes. Hein. Vous mettez tout le temps des coups d'ongle dans la manette, c'est un truc de fou. Et... Tracer la voie spirituelle.
Que ça marche. Par contre, moi j'aimerais bien que tout le monde aille. Placez-vous vers là-bas. Pendant la journée, vous pouvez accélérer le temps maintenant. Pas grand-chose à faire, j'ai envie de vous dire. On va attendre la grosse vague. Voilà, comme je vous disais, en tout cas, voilà, j'ai du coup. Je les connais, j'ai déjà fait des combos tout à l'heure. Je sais qu'il faut pas que je l'attaque de trop près, c'est pour ça que je les ai reculés un petit peu. Les types, parce que là, sur la démo, je les avais mis vraiment devant. C'était pas des bons délires. On va faire leur combo quand même. Sont contents. Donc oui, j'ai pas énormément joué ces derniers temps, j'ai pas fait de vidéo, mais comme je vous avais dit dans les vidéos de Remnant, je m'étais fait hacker mon adresse mail. Le mec, il a réussi à faire sauter les doubles authentifications, etc. Du coup, il a réussi à bien me faire chier. Je vous avais dit, il m'a vendu toute ma bourse et tout. Le mec s'était fait, il a essayé de se faire un virement. Bon, bref, la misère, il m'avait bloqué le PC. Du coup, j'avais plus de PC pendant un mois, tant que mon pote, bah, lui finisse son master. Il faisait un truc pour son master, du coup. Il avait pas le temps, on va dire, de s'occuper de mon PC. Il m'a tout réparé. Du coup, mon PC n'est plus bloqué à cause de l'adresse mail. Voilà, donc j'ai de nouveau mon PC. Là aujourd'hui, je suis parti un peu plus tôt, spécialement du boulot pour jouer bah, au jeu quoi. Voilà, aujourd'hui, journée détente, hein, petit 7h40, 15h, nick, j'avais pas envie de rester longtemps. C'est bon, hein. Manière, les heures sont faites. Depuis déjà presque 2 jours, donc bon. Mais ouais, voilà. En gros, pourquoi j'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers temps. Comme je vous dis, tout le monde s'en fout, mais au moins, voilà, c'est dit. Et maintenant, je vais pouvoir vous dire une dinguerie aussi, que le monde est vraiment petit, de chez petit. Pendant qu'on fracasse des vagues de moob. Là, j'ai discuté avec un type, là, au taf. Bref, on discute normal quoi, et il me dit ouais, t'habites où toi et tout. Bah, je lui dis moi, telle ville et tout, à tel endroit quoi, en gros. Je lui dis et toi? Il me dit bah, telle ville, à tel endroit. J'avoue, il y en a qui était passé. Oh, c'est quoi ce point rouge là? Ah non, cette race, c'est la voie, c'est ça en fait, ok. Et en gros, avec le type, mais en fait, on. Bah, le type, il habite à 2 mètres de chez moi, quoi. Vraiment, je sors de chez moi, je marche 30 secondes et je suis chez lui, quoi. Donc, j'ai dit, putain, le monde, il est petit, quoi. Et le mec, il vient travailler, travaille dans la société, dans la même société, on est voisins, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Incroyable. Et aujourd'hui, je discutais avec mon pote, bon, qui est aussi le patron de la boîte, quoi. Mes deux potes sont associés, ont cette société, bon bref. Et on discutait tranquille à midi, tranquillou, quoi. Parler de voiture, quoi. Je lui disais, putain, fais chier, il est encore plu ce matin. Oui, on est le 19 juillet, il pleut encore dans le sud, hein. Mais bon bref. Et putain, ça casse les couilles là, en gros, ma 370Z, avec un beau noir, mais 40e anniversaire, donc le noir de la 40e anniversaire. J'ai dit putain, ça casse les couilles encore.
La voiture, elle peut pas rester 2 jours propre, quoi. Ça rend fou, quoi. Et bah, qu'est-ce qu'il faut? Elle arrive ou quoi? Et du coup, je dis, mais ça rend fou, quoi. Et le mec, il me dit, mais elle est à toi, du coup, la 310Z? Je dis, bah, ouais, elle est à moi, ouais. Et ouais, c'est ma voiture, quoi. Il me dit, mais t'as une petite question, mais tu connaîtrais pas une Marie? Marie de telle ville, tu vois. Alors, attends, sorti pas désormais, ok. Et je lui fais Marie machin. Il me fait oui. Là, je lui fais ah, mais c'est une grosse pute, elle, franchement, je la déteste. C'est une grosse folle, franchement, c'est une grosse pute. Il me dit ah, bah, c'est ma meilleure amie. Je fais ah, bah, c'est une grosse pute, quoi. Et en gros, bah, parce que c'est mon ex, hein, c'était ma première copine, et qu'elle me trompait comme jamais, que c'est une psychopathe, hein. Après, je lui en veux pas du tout, hein, mais bon, bref. Et obtenu, ok. 1050, hein, ok. Récompense de mission, les gens peuvent désormais saluer. Waouh, génial. Et donc voilà quoi, j'ai dit putain, mais le monde est vraiment petit. Le mec, on travaille au même endroit, on habite à côté, et le mec il connaît l'amour de ma vie, entre guillemets quoi. En tout cas, la seule femme que j'aimais autant quoi. Les zones où il faudrait utiliser comme base, tirer profit au maximum de ces bases pour préparer vos prochains combats. Okay. Et donc voilà, en gros, ouais, le mec, on travaille au même endroit. Et genre, on est voisins. Et le mec, sa meilleure amie, c'est ma première copine. C'est la meuf que je kiffais plus que tout. Et truc de fou, quoi. Il dit, mais le monde il est vraiment petit, quoi, c'est un truc de dingue. Bon, bref, du coup, voilà, on a discuté un peu de mon ex, quoi. Je lui ai dit, ah, c'est une meuf sympa et tout. Et dommage qu'elle ait un peu pété un câble et tout sur la fin, mais j'ai dit, mauvaise fréquentation de ses potes. Il dit, ouais, c'est vrai que ses amis, moi aussi, je peux pas les supporter, là, ses copines. Je lui ai dit, ouais, c'est des tarés. Il me dit, en plus, putain, elle a un métier de fou, elle gagne tarpin bien sa vie. Je dis, oh ben je sais, hein, t'inquiète, hein, je connais. Moi, quand je l'ai connu, deux tentatives de suicide, elle s'était fait violer 2 fois, alcoolique et tout. Je dis, ouais, je sais et tout. Je dis, ben voilà, ben moi, je l'ai connue pendant cette période et ben, grâce à moi, ben, elle a eu son boulot là. Elle a eu son bac plus 3 de chimie, là, là. Et je l'ai fait venir rentrer, enfin rentrer. Oui et non, elle travaillait là-bas déjà. Travailler quoi, mais je lui dis vas-y, pousse pour rentrer, être embauché à la Yandel Basel et tout. Et du coup, elle a été embauchée, et voilà, elle gagne en gros cash, elle s'est fait 3 500-4 000 balles quoi par mois. Et en gros, quand on se connaissait, on se tirait la bourre sur les salaires, c'était pas mal. Et voilà, je dis ouais, moi je l'ai connue à cette époque, et j'ai dit en gros, dès qu'elle a eu son boulot, quelques mois temps après, ah ok et tout. Mais bon bref, voilà, on a discuté de ça et tout. Après j'ai rien voulu savoir parce que j'ai pas envie de souffrir. Bon, donne-moi le ton truc là, un machin, me donnerait. Mais bon voilà quoi. Il dit les coïncidences sont dingues. Les Chubas sont des katanas sacrés. Tsuba plutôt, Tsuba. Sacré serait en forme les pouvoirs uniques en appuyant sur RT. Vous pouvez utiliser votre énergie spirituelle pour déclencher ces. Certains Okitoku déjà dans les ouais, ok, attaque sans résistance indiquée par okay. Et parler à Yoshiro, une base pour vous préparer. Talisman.
impressionnant, ok. Là, c'est les Tsuba, donc c'est sur la garde de mon katana. Ça, c'est les talismans. Check, c'est le talisman. Amélioration, sauvegarder la partie déjà, oui. Sauvegarde en cours. Amélioration. Métier de villageois peuvent être améliorés en 10 ans. Mot subi. Ok. Monte légèrement la vie. Je peux pas. Bon, ben, vas-y. Ouais. Ah, oui. Truc de fou. Et bûcheron, il a plus de vie. C'est un full bûcheron maintenant. Bûcheron de course. On va sauvegarder. Grâce à l'aide des villageois que vous avez sauvés, vous pouvez réparer les dégâts provoqués par les bases effectuées. Les réparations. Ouais. Et je. Ok. Dans les bases de. Les villageois peuvent réparer les infrastructures qui ont été détruites. Le statut des réparations progresse à mesure. Ouais, nickel. J'ai pas envie de tout lire là. Allez hop. On voit les travaux. Est-ce que les travaux. Ok, c'est le genre de truc comme ça. Pas de villageois disponibles. Ok, il y a des niveaux sur les villageois. Envoie-moi ça. Ok. Bon, on va arrêter ce premier épisode là, je pense. On va qu'on aura un épisode un peu plus court que d'habitude. En tout cas, pas des 1 heure, 1 heure et demie sur ce jeu. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Ce petit épisode également. Nous, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous avez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire, qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Les vidéos sont disponibles en 4K. Et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement comme vidéo, il y a de la BMW M2, de la Honda S2000, de la Nissan 370Z, de la Porsche 911 GT3 992. Et plein d'autres choses qui arriveront par la suite, de la Nissan GTR, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description si vous aimez l'automobile. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, c'était N27. Allez, ciao tout le monde, bye.